C'est ici que Jean-Baptiste Henri Marcotte, curé de la Valterie de 1847 à 1882, a contribué à la construction de l'église avec l'aide de l'architecte Victor Bourgeot. En passant, saviez-vous que c'est le seul prêtre qui est enterré ici même, dans la crypte située sous l'église? À l'époque, le rôle du prêtre est tout sauf négligeable. Il est le gardien de la morale. Il peut, du haut de la chaire, rabrouer les citoyens du village. Il peut également accorder ou non les permis de boisson, juger de la convenance ou non des vêtements féminins, approuver les choix musicaux et même contrôler l'alimentation permise lors du carême. De plus, il encourage fortement les naissances, ce qui provoque parfois des malentendus avec le médecin du village qui, lui, tente de veiller sur la santé des patientes. Il peut même donner un coup de pouce aux politiciens. Souvenez-vous du célèbre slogan « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Bref, le médecin, le notaire, le curé et le prêtre est parmi les plus influents du village. Vous comprendrez donc que ce n'est pas un hasard si les sacres des Canadiens français sont des mots d'église. Ils sont utilisés pour démontrer la colère et le désaccord. Mais quel sacre avons-nous transformé en ces mots qui choquent? Allons voir Ézéphrem qui va nous donner une bonne idée. Le calice. Oh! Calice! Le ciboire. Ciboire! L'hostie. Hostie! Le tabernacle. Tabernacle! Le Christ. Christ! La Vierge. Vierge! Le cierge. Oh ben! Cierge! Les sacrements. Oh ben, sacrement! Aujourd'hui, l'église de la Valterie est devenue la chasse-galerie et devient par conséquent un lieu de rassemblement dans lequel se tiennent divers spectacles. Anciennement, on y partageait le pain et le vin. Aujourd'hui, on y savoure de la bière. C'est drôle, qu'auraient dit les gardiens de la morale de l'époque en voyant l'évolution de ce lieu? Bah, allez savoir. Allez en paix!